La pluie ne les a pas découragés. À 10 heures précises, les gendarmes de la petite brigade de Saint-Jean-Goux-le-National ont suspendu leur activité. Face au drapeau tricolore, ils ont rendu hommage au colonel Beltrame. La minute de silence paraissait interminable. Elle fut pesante, très pesante. Moi, personnellement, ça me touche profondément. Voilà. Et je suis très fier du colonel Beltrame, parce que moi, il a montré les vraies valeurs de la gendarmerie et surtout de notre institution. Voilà. Le sacrifice de cet officier est ici considéré comme un exemple. Je suis très jeune gendarme, je pense que ça se voit. J'ai également incorporé, moi, l'école de gendarmerie des suites, quasiment en même temps que les tout premiers attentats au mois de novembre 2015. Donc, la problématique terroriste, c'est quelque chose qui m'a touché dès le début de ma carrière en gendarmerie. Et un geste fort comme celui du colonel est quelque chose qui ne s'oublie pas. Tant bien que mal, ces hommes et femmes ont repris leur activité quotidienne. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas prêts d'oublier le colonel Beltrame.